Eh bien, salut tout le monde, c'est Caroscu d'SFM. J'espère que vous allez bien, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 du mode histoire de Splatoon 3. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, ben, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires et aussi à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ben, c'est parti, les amis. Aujourd'hui, nous continuons le secteur 6. Voilà. Donc le dernier secteur. Donc allez, c'est parti. Donc rouleau compresseur. Atteint l'arrivée en utilisant un rouleau. D'accord. Bon bah c'est parti. Bon, l'objectif les gars, c'est qu'on doit essayer de terminer le secteur 6. Pour aujourd'hui au moins. Ce serait déjà bien. Alors, rouleau bombe curling. Donc on va prendre ça déjà. Donc allez, c'est parti. Oui, yep là. Il y a des caisses de partout avec des œufs de poisson dedans. Hop. Voilà. Ah lui il va être embêtant. Bon au pire, je vais pas m'occuper de lui, je pense. On va pas s'occuper de lui. Voilà. Je m'amuse bien avec le rouleau. Ah mince, j'avais plus d'encre. Ah, une armure, oui. Ok, là-bas, il y a une caisse. On va la péter, la caisse. Voilà, parfait. On va la péter, la caisse. Je vous écrase, les octariens. Oui. L'arrivée, là-bas. Non mais ça va, je fais attention. Ah oui d'accord, bonjour. Attendez, on peut passer derrière? Oh coucou. Ah d'accord, j'ai compris. Ah bah là par contre, je suis pas... Voilà. On va s'occuper du sniper. Oh, il va être embêtant ceux-là. Hop. Je m'en suis occupé de 1. On va casser son truc, voilà. Ok, donc ensuite, toi. Voilà, on fait le ménage. Ah bah tiens, regardez, en plus on a eu 2 œufs de poisson comme ça. Hop. Je voulais faire ça au moins, je suis tranquille. Au moins, on a gagné des œufs de poisson comme ça. Alors, ensuite, nous allons faire... Ce niveau, c'est quoi ça? Encre, ciel et terre. Utilise le chromojet pour atteindre l'arrivée. Ok, bon, on va faire ça, hein. Oui! Oh, attendez, il y a une caisse là. Ah, ok, c'était pour des œufs. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On sent le mioche qui demandait quelque chose. Ah, ok, bien vu, merci. Alors, du coup, bah, c'est parti. Vu que le sale mioche, il voulait d'abord que je déterre un truc qui était caché. C'est gentil de sa part. Alors, chromojet. Tu restes là, sale mioche. Sois sage. Alors. Ok, donc on va faire 2. Ah oui, ça me rappelle tellement un niveau dans l'octo-expansion, ça. Qu'on est en chromojet.
Attendez, on peut monter en haut là. Ah oui, voilà, parce que regardez, il y a des œufs de poisson, moi je vais les prendre, hein. Ouais, je sais que je dois appuyer sur B, je sais, Ayo. Non, mince. Oh, je me suis foiré, c'est ma faute. Attendez. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein. Voilà quoi. Ok, donc point de contrôle, on passe en dessous. Et ensuite, c'est où? Ah, c'est là. Voilà. Ok, j'ai cru que j'ai sauté un peu trop tôt là, mais non, ça va. On va le... Voilà. Ok, parfait. Allez. Ok, parfait. Oula! Ah! D'accord, il y a beaucoup d'ennemis ici. Mince. Oh, mais arrêtez de bouger là. Ok, là il y en a un. Ah, par contre, le chromo jet, je suis pas douée avec, hein. Ok. Des œufs de poisson. On y go. Ah, ok, c'est le point de contrôle final. Alors, du coup. Il y a une tentatourelle, d'accord. Faut monter tout en haut, du coup. Ah ouais, d'accord, je vois le délire. Ah ouais! Ah, c'était ça qu'il fallait faire. Oh là là. Ça va, là, je me suis pas loupé du premier coup, hein. Ah bah ça va, on a encore le temps du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers où sont les clés? Trouve les clés pour déverrouiller la voie vers l'arrivée. Ah ouais, donc je crois que ça va être un niveau assez casse-tête. Ok, donc ça on va pas faire en vidéo, hein. Le tempo du tempo. Tamponne tous les ennemis dans le temps imparti. Ok, donc là limite de temps aussi. Plongée sans frein. Atteint l'arrivée dans le temps imparti. Oh là là, j'aime pas les trucs de temps imparti là. Hauteur octarienne. Escalade une tour truffée d'ennemis pour atteindre l'arrivée. Ouais, on peut essayer. On peut essayer ça. Ok, bon, on va faire ça. Équipement héroïque, ouais. Bon, on va voir c'est quoi ce niveau-là. Escalade une tour truffée d'ennemis pour entendre l'arrivée. Regardez, il y a l'arrivée ici, mais... Va falloir s'occuper des ennemis. Alors, du coup... Ah oui, d'accord. Et du coup? C'est où que... Ah d'accord, ok, je me disais, fallait que je monte ou fallait que je reste là? Je me disais là. Ouais, mais je veux bien, mais comment on fait pour monter là? Je peux pas monter en haut? Ah si, là je peux monter ici, d'accord. Ah là, il y a des ennemis en bas. On va s'occuper des ennemis en bas. Y en a encore ou pas? Non, ok, il y en a plus, c'est bon. On peut y aller. On peut y aller. Oula, on se calme, s'il vous plaît, on se détend. On se détend.
Et bouge pas toi. Ok. On escalade. Ah oui, d'accord. Je vise n'importe comment. Ok, bon, voilà. Au moins, c'est fait. C'était rapide, ça, au moins. Ah bah tiens, Yo, elle est là. Est-ce qu'on aura... Non, je pense pas qu'on aura le temps de faire un autre niveau, là. Non, les gars, je pense que pour la suite, ce sera dans un prochain let's play. Ce qu'on va faire, c'est que... Bon, là, on va se poser tranquille, voilà, pour la fin. Est-ce qu'il y avait... À propos des archives, ouais. Alors, Histoire 06. Ah oui, j'ai bloqué... Enfin, j'ai débloqué pas mal de trucs, là. Alors, vous savez quoi, on va y aller un petit peu l'histoire 6 et après on arrêtera là. Alors, la terre des premiers jours. Les êtres qui avaient émergé des flots ne tardèrent pas à émerger de la caverne d'Alterna elle-même. Ils proliférèrent alors sans tarder. Il ne leur fallut guère de temps pour explorer chaque recoin du vaste monde. Ce tournant historique conféra une puissante valeur symbolique au cratère qui surplombe Alterna ainsi qu'au territoire environnant, désormais connu sous le nom de la contrée Clabousse. Dès lors, de la région fut surnommée la Terre des premiers jours par les créatures qui l'arpentaient, ces êtres franchés évolués, ayant colonisé tout le globe, développèrent rapidement des cultures et des modes de vie distincts. Parmi toutes ces espèces qui peuplaient la Terre, les calamars et les poulpes se distinguèrent rapidement grâce à leur intelligence supérieure ainsi qu'à leur touche de classe, pour ainsi dire. Un peu de temps, ils prirent un ascendant décisif sur le reste de la planète. Et on a déjà une image de décrypté. Okay. Donc après, le reste, on n'a pas encore décrypté, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore fait tous les niveaux encore. Mais voilà quoi. Mais voilà une partie quoi. De l'histoire 6. On a bientôt fini. Du coup, bah bon, pour la suite, les gars, on continuera dans les prochains, enfin dans un prochain let's play, voilà. Du coup, on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Hein. Je pense qu'on a fait pas mal de niveaux déjà. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 17. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à donner votre avis, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve à très bientôt pour Donc sûrement très vite, même on peut le dire, pour l'épisode 18, donc pour la suite, voilà, on aura sûrement terminé le secteur 6, le dernier secteur. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout c'est très important. Ciao tout le monde, c'était CarousQDSFM, et Ayo vous dit à tout de suite, ou enfin à très rapidement quoi, voilà quoi, à très vite.